Je veux débusquer la hyène. Je dois aller parler à Mered, l'homme d'Apollodorus. C'est un négociant qui se trouve quelque part sur ce marché. Bienvenue chez Mered, voyageur. Alors, qu'en penses-tu? Rien. Alors va-t'en. Ah, mais je n'ai pas fini. Que veux-tu dire? Je n'ai rien d'autre à te montrer. Mais tu as des choses à me dire, au sujet de la hyène. Ah, c'est drôle. Il se trouve que c'est l'article le plus cher de tout mon stock. Oui, très drôle. Et tu devras payer comptant. Tu as assez d'argent pour qu'on fasse affaire? Tiens, espèce de rapace. Maintenant, qu'as-tu à me dire? La hyène, ce n'est pas son vrai nom. Bon, d'accord. Ce n'était pas très drôle, je le reconnais. Où est-ce que je peux la trouver? Son nom, c'est Calicette. Tu vas m'aider. Des clients m'ont pris mon cheval à la suite d'un différend. Ils campent dans une carrière au sud d'ici. Prends mes hommes, récupère mon cheval, et je te donnerai ce que tu cherches. Je me demande bien pourquoi Apollodorus t'apprécie. Tu feras ce que je te dis. Si Apollodorus veut que je continue à lui servir. Allez, hey. Que Paris en arrière. En protection. Gagnez-moi un peu de temps. Je dois partir. Un ami de Mered? Pas vraiment. C'est un allié nécessaire. Les alliés de Mered sont rarement des protecteurs. Ils se méfient des autorités. Mais ils payent bien. Et à Gizeh, rares sont ceux qui payent. On ne peut... Ah!
vermine. Mais qu'est-ce que... Hé là ! Crève ! Crève ! Tu es fini. Ah, je te vois. Oh, c'est fini pour toi. Être le cheval de Mered. Il a omis de me dire que ses clients étaient des brigands. Regardez-moi ça. Tu avais oublié de dire que c'était des brigands qui l'avaient. Une simple omission. Bien. Plus fort que le mien. Je croyais qu'il t'appartenait. Oui, 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 bien entendu. Tu m'as rendu un fier service, mon ami. À toi de remplir ta part du marché. Je n'ai qu'une parole. Mais j'ai encore une chose à te demander. Ah, j'en ai assez de tes jeux. D'accord. La hyène vit dans une caverne, derrière ses hauteurs. Nuit et jour, elle arpente le désert en quête de Silice, les précieuses larmes des dieux. Mieux vaut ne pas raconter ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté de s'interposer. Si je découvre que tu te moques de moi, ce ne sont pas mes paroles qui vont te blesser. Je ne dis que la vérité. Je n'ai aucune raison de te défier. Et tâche de rester en vie. Nedge here. Nedge here. Ambiance et escrocs. Visiteurs et...